Nous étions sur un thème le dimanche dernier où je vous parlais du processus de croissance d'un chrétien. Alléluia. Le mot croissance est un thème qui est vaste. Il renferme, il regroupe beaucoup de bénédictions. Amen. Quand tu as un mariage, tu es dans un processus de croissance. Quand tu as un travail, quand tu as des papiers maintenant, alors que dans le temps, tu ne les avais pas, Dieu est en train d'accomplir dans ta vie le processus de croissance. Donc, on comprend que dans la vie de chaque personne, il y a un besoin. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais quel est ce repos dont un enfant de Dieu a besoin? Chacun de nous ici est venu avec un fardeau, avec un besoin. Mais afin que tu sois déchargé, afin que tu possèdes ta grâce, il faille que tu respectes des principes divins. C'est ce que j'ai appelé processus de croissance. Et dans ces principes, j'ai dénoté trois éléments de principe. Le premier élément, nous l'avons vu le dimanche passé, c'est la transformation de l'intelligence. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la discipline. Amen. Et la discipline qui regroupe beaucoup de sous-titres que nous allons aussi voir. Et vous allez voir que ces éléments sont indispensables à un enfant de Dieu. Pour croître. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui des gens, des ministères qui ont commencé tout petit et qui sont allés dans une grandeur, qui sont devenus tellement méga église. Et nous nous posons des questions de savoir, mais que s'est-il passé? Comment sont-ils arrivés à ce niveau-là? C'est parce qu'ils ont respecté certains principes. Et c'est indispensable à la vie d'un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Quand on parle d'église, on parle de notre vie. Amen. Donc vous vous rendez compte que ces principes-là sont obligatoires. Quand on dit indispensable, c'est obligatoire. Nous sommes obligés forcément de passer par là pour aspirer à une croissance. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 10, verset 23. Je lis la parole. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis. Tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Amen. Vous comprenez qu'un enfant qui prend la décision de grandir doit grandir dans le temps. Alléluia. Et pour grandir dans le temps, il faut se distinguer par une discipline. Alléluia. Je parle de temps, je parle de grandir et je parle de discipline. Nous voulons tous grandir, nous voulons tous atteindre un sommet de notre vie, mais en même temps, nous refusons d'observer certaines étapes qui nous amènent vers cette grandeur de notre vie. Alléluia. Non. C'est impossible. C'est vrai. Ça mettra du temps. Tout est permis.
tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Alléluia. Est-ce que parler mal à mon frère fait du bien à mon frère? Non, ça ne l'édifie pas. Mais c'est permis de lui parler mal. Je peux le faire. Personne ne me dira non. Mais est-ce que ça lui fait du bien? Non, ça détruit son âme. Est-ce que là, je suis dans un principe d'élévation, de croissance? Je dirais non. Parce que la vie d'un frère est en train de mourir à cause de la parole que tu as sortie de ta bouche. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que il nous faut du temps pour briser notre caractère. Il nous faut du temps pour que la croissance dont on aspire habite dans notre vie. Gloire à Jésus. Et vous voyez que quand nous sommes habités par cette croissance, dans la discipline, la Bible nous dit, nous sommes dans un processus pour nous distinguer des uns et des autres. Alléluia. Voyez-vous que des fois, nous faisons beaucoup de choses par notre propre force. Nous faisons beaucoup de choses par notre pouvoir. Nous faisons beaucoup de choses par notre capacité. Alléluia. Moi, je suis beau, donc je ferai ce que je veux de ma vie. Non. Ce que tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie dépend simplement d'un souffle de vie dont Dieu a disposé afin que tu aies une vie merveilleuse. Mais quand tu prends cette vie et tu en fais ce que tu veux, non. Finalement, tu es en train de te détruire et tu es en train de provoquer la colère, la fureur de Dieu. Et finalement, tu t'inscris dans un orgueil. Et là, comme Dieu déteste les orgueilleux, tu es en train de te mettre sous un joug. Alléluia. Regardez, beaucoup font beaucoup de choses selon leur propre volonté, selon leur propre vouloir. Alléluia. Moi, je décide d'avoir 3 maris parce que tout le monde me drague. Donc, je n'ai pas le choix de dire oui. Tout est permis. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Mais pourtant, c'est permis. Le vol, je suis prêt à dérober. C'est permis de dérober. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça fait du bien? En le faisant, toi-même, tu sais que tu es obligé de te cacher pour pouvoir dérober. Parce que si le propriétaire est là, tu ne le feras pas. Donc cela veut dire que pendant que tu es en train de faire chercher à dérober, tu te dis dans ta conscience qu'il y a quelqu'un qui me voit. Donc forcément, je vais regarder à gauche, je vais regarder à droite pour pouvoir prendre. Et en le prenant, il faut que je sois d'une justesse pour ne pas qu'on voit ma main venir. Quand je prends, il faut qu'on voit le geste automatique. Personne ne saura que c'est moi qui ai pris. Et quand j'ai fini de prendre, le chemin que je prends est dans une direction de non-retour. Alléluia. Et quand je fais le retour, celui-là qui avait posé son portable là, il va commencer à s'interroger qui est passé par là. Et ton regard de gauche et à droite va l'amener à conclure. On dirait l'hypothèse, c'est cette personne parce qu'il n'y a que elle seule qui vient de passer par là. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. C'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, dans la maison de l'Éternel, nous devons avoir une discipline. Alléluia. Sans la discipline dans la maison de Dieu, 1, l'Esprit de Dieu n'est pas là. 2, ta vie qui est appelée église ne sera jamais bénie. Alléluia. On parle d'église parce que tu es là. Dieu bénit parce que tu es là. Il y a des témoignages. Aujourd'hui qu'on entend ça et là. Parce que Dieu fait des merveilles. Mais c'est parce que tu as discipliné quelque part ta vie. Alléluia. Et Dieu n'a pas le choix de descendre sa gloire. Et quand sa gloire descend, regarde, tu reçois une fine pluie et tu commences par ta tête et tu ne ressens plus ton corps. La gloire de Dieu est en train de découler dans ta vie. Alléluia. Et tu vas voir que les gens qui te connaissaient autrefois vont commencer à dire, mais que s'est-il passé dans la vie du frère?
Que s'est-il passé dans la vie de la sœur? Quelque chose de merveilleux se passe. Mais depuis qu'elle va à l'église, elle a changé. Depuis qu'elle va à l'église, on ne la voit plus au bistrot. Depuis qu'elle va à l'église, on ne critique plus ensemble. Depuis qu'elle va à l'église, on ne court plus les magasins pour aller dérober. Depuis qu'elle va à l'église, maintenant, elle a horreur de la boisson, elle a horreur de la fumée, elle a horreur du péché. Elle a horreur de la prostitution. Parce que quelque part, il y a une voix qui lui parle pour dire non, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, ça ne t'édifie pas. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend ce matin? Donc parfois, Dieu parle à des enfants de Dieu pour observer une telle discipline et la position d'insistance de l'enfant fait demeurer l'enfant dans un orgueil. Et l'enfant assis dans l'orgueil fait croire à son entourage qu'il est béni parce qu'il vient tout le temps à l'église, fait croire à son entourage qu'il a toutes sortes de grâces, fait croire à son entourage que sa vie est prospère. Maintenant, quand il rentre chez lui à la maison, c'est le mouchoir qu'il change par seconde. Alléluia. Et quand elle est couchée sous sa couche, les mouchoirs sont échangés. Parce qu'il n'a pas la paix du cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il fait plaisir par l'homme extérieur aux autres. Alors que ce que Dieu veut, c'est la transformation de ton intelligence par l'homme intérieur. Tant que l'homme intérieur n'est pas changé, transformé, brisé, frère, aujourd'hui tu peux porter une grosse chemise qui coûtera certainement près de 500 euros. Mais est-ce que cette chemise t'amènera au ciel? C'est la question que je me pose. Mais je peux me lever avec mon troutounou, porter ça dans la simplicité et qu'à l'intérieur de moi, j'ai une transformation de vie qui me rapproche de l'éternel. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit, Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors ce que vous voyez n'est pas de l'or. Des fois vous voyez vos frères qui brillent dans des grosses voitures, vous vous interrogez parce que vous voulez ressembler à ces frères. Alléluia. Vous voulez forcément faire comme les autres sœurs, comme les autres frères, à sortir des sacs Louis Vuitton à des endroits, à des moments de manifestation. Mais vous n'êtes pas interrogé de savoir comment ont-ils fait pour pouvoir acquérir l'argent pour avoir ce sac. Quelqu'un qui a 300 euros de salaire et qui a un sac de 1000 euros, il faut s'interroger. C'est une violente question, hein. Alléluia. Vous voyez des fois la police qui arrête certains enfants des cités. On connaît leur vie. On sait qu'ils ne travaillent pas ou même ils sont à mi-temps, 800 euros maximum. 800 euros. Mais ils roulent des berlines qui coûtent dans les 30 000 euros. Mais vous savez, tout est psychologique. Amen, hein. Je vois, je commence à m'interroger. Vous dites, non, attends. Je sais que sa vie, je la connais. Puisque ici, là, on est tous, regardez, on est tous pistés ici. Hein? Tous. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, vous êtes à l'église. Ah oui. L'État connaît vos mouvements. Ce pays-là, il n'y a pas un pas que tu fais ici et puis on ne sait pas. On connaît ton quotidien. Si tu ne le sais pas, commence à dire. C'est pour ça, ce matin, ce thème-là me plaît. Tu vas commencer à discipliner ta vie à partir d'aujourd'hui. Regardez, quand tu vas commencer à discipliner ta vie, des accusations vont arriver dans la cité. On te dira non, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Pourquoi? Parce qu'on sait que tel jour, à telle période ou à tel moment, à telle heure, cette personne à tel endroit. Parce que nous la voyons tout le temps passer ce chemin tous les jours. Gloire à Jésus. Vous voyez, un enfant de Dieu a nécessairement besoin de discipliner sa vie. Tant qu'une vie n'est pas disciplinée, l'esprit du malin est content. Parce qu'une vie indisciplinée, c'est le désordre, c'est l'orgueil, c'est tout ce qui est malédiction qui rentre et fait de ta vie ce qu'il veut. Tout est permis, mais tout n'est pas. Alléluia. Frère, laisse-moi te parler ce matin. Je pense qu'au sortir de cet enseignement, quand tu rentres chez toi à la maison, tu vas commencer à revoir ta position. Tu vas commencer à revoir tes amitiés. Tu vas commencer à revoir ta communication. Tu vas commencer à revoir
tout ce que tu fais, même la nourriture, il faut la discipliner. Alléluia. Vous imaginez, pour faire, comment on peut dire, un mets, on peut prendre plusieurs séculents, les mélanger et faire le mets. Mais vous allez vous rendre compte que l'estomac ne supportera pas parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas se composer ensemble. Tout est permis. Mais est-ce que tout est utile là? Voilà. C'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alléluia. Battre son enfant, tout est permis. Parce qu'on pense qu'on est dans la correction. Mais est-ce que tout est, est-ce que c'est utile pour l'évolution de l'enfant? Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est utile? Alléluia. C'est permis. Mais ce n'est pas utile, frère. L'enfant, il faut communiquer avec. Il faut parler. Il faut échanger avec l'enfant. Plus tu le bats, tu l'endurcis. L'enfant se braque. Et maintenant, il a du mal à communiquer avec toi. Il ne peut plus t'expliquer son besoin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu que le besoin qu'il a, il puisse le communiquer à la maison pour trouver des solutions. Dans la vie du père ou de la mère, l'enfant va chercher maintenant une solution en dehors de la maison. Alléluia. Et c'est comme ça que les enfants sont appelés aujourd'hui les enfants de la cité. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de communication. À l'intérieur, le père peut être dur, mais la mère doit être souple. Alléluia. Parce que si les deux sont souples, ce n'est pas bon. C'est permis, mais on détruit l'enfant. Parce qu'on caresse l'enfant dans le sens du poil. Et finalement, il va à la dérive. Parce qu'il n'y a personne qui le reprend. Il n'y a personne pour discipliner sa vie. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que taper un enfant, c'est permis, mais ce n'est pas utile. Et quand l'enfant pleure, parce que quand il reçoit le coup, il pleure. Pourquoi? Sa chair a mal. Donc vous vous rendez compte que l'enfant n'est pas édifié. Qu'est-ce qui édifie? C'est la parole de Dieu. Et c'est la parole que tu vas communiquer à l'enfant qui va l'édifier. Et quand un enfant grandit sous la présence, la coupole du Saint-Esprit, dans la maison de Dieu, l'enfant grandit très très bien. Il commence tout petit et sa vie est disciplinée jusqu'à la majorité. Et il devient une source de bénédiction parce qu'il va faire des ramifications avec son entourage. Gloire à Jésus. 1 Timothée 4, verset 7. Verset 7. Verset 7. Oui. 1 Timothée 4, verset 7. Repousse les contes profanes. Repousse les contes profanes. Et absurdes. Et absurdes. Oui. Verset 8. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile. À regardez. Toutes choses. Oh. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Mon fils, reprends calmement et posément, bien comme il faut. Parce que c'est un verset qui est hyper important. 1 Timothée 4, à partir du verset 7. Oui. Je lis. Repousse les contes profanes. Écoutez-moi bien. Et absurdes. Attends, mon fils. On va évoluer ensemble. La Bible dit repousse. Repousse. Repousser, c'est enlever de toi, mettre hors de toi, chasser tout ce qui n'édifie pas, tout ce qui n'aide pas, tout ce qui n'arrange pas, tout ce qui ne t'aide pas à grandir. Repousse les contes profanes. Il y a certains amis, leur présence dans ta vie, comme il y a des gens que Dieu a créés, certains ont une certaine fermeté, d'autres non. Donc vous comprenez que quand il y a des approches, ma présence auprès de lui, ce que je vais communiquer avec lui va influencer son intégrité. Alléluia. Donc automatiquement, il va être contaminé. Il va commencer à faire comme moi. Il va me suivre. De peur qu'il me frustre, il est obligé de me suivre. C'est ce que la Bible nous dit, des contes profanes. Ça n'aide pas. Oui, dit mon fils. C'est absurde. La Bible dit que c'est absurde. C'est à la limite de la folie. Ça n'apporte rien à ta vie. Oui. Exerce-toi à la piété. Il dit quoi? Demeure
dans une discipline spirituelle. Un enfant qui veut grandir doit demeurer dans une discipline spirituelle. Alléluia. La discipline spirituelle t'amène, un, à avoir une vie de prière et une vie de lecture de la parole de Dieu. À écouter tout ce qui peut édifier ta vie. Les musiques zouglou ne peuvent rien t'apporter. Alléluia. Tout simplement, c'est utile. Hein? Parce que quand tu écoutes, c'est intéressant à entendre. Mais est-ce que ça t'édifie? Les bébés que tu écoutes, est-ce que ça t'édifie? La Bible dit, exerce-toi à la piété. Mets des cantiques d'adoration chez toi. Plus tu mets des cantiques d'adoration chez toi, les anges sont dans la joie, ça danse. Ta maison est visitée par les anges. Frère, quand tu dors, c'est-à-dire que tu dors même des fois à t'oublier. Jusqu'à le moment de l'heure de prière arrive, c'est comme quelqu'un vient te réveiller, te prend par la main pour dire lève-toi. Il est l'heure, prie. Mais quand tu mets le Zugrubiti ou bien le Zagribi, ou bien je ne sais pas, du Makossa à longueur de journée, ou là le Bisoukou, c'est ça, donc comment on appelle dans cela? Hein? À Bikoussi, ou en danse comme ça là? Hein? Et tu mets. Amen, hein? Et tu as dit, dès que quelqu'un rentre là, il entend ça en même temps. Alléluia. C'est vrai, c'est une danse de réjouissance. On peut regarder, c'est utile. On peut regarder. Mais est-ce que ça édifie? Tu ne peux pas vivre sous cela en longueur de journée. Alléluia. La louange te fera énormément de bien. Quand tu écoutes la louange, quand tu écoutes les chants d'adoration, je dis frère, prends un moment, un jour, et reste connecté devant ton poste, et puis mets un chant d'adoration. Tu es là, tu es emporté. Alléluia. Tu es emporté et le Saint-Esprit, tu reçois quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, exerce-toi. L'exercice, je commence, je ne m'arrête pas. Parce que je suis en train de faire parcourir un chemin de sorte à ce que je fasse quoi? Je sois dans une demeure de croissance. C'est pour ça qu'on parle d'exercice. Mais imaginez-vous, nous passons tout notre temps avec le téléphone portable. Nous avons moins de temps à ouvrir ne serait-ce que 20 minutes la Bible. J'ai dit à quelqu'un ici, ouvre simplement 20 minutes la Bible tous les jours. 20 minutes tous les jours. 20 minutes, ce n'est pas beaucoup. 20 minutes, mais que ce soit des 20 minutes bien précises où vraiment tu es concentré devant cette lecture. Et fais 20 minutes de lecture. Mais le chrono, quand les 20 minutes arrivent, tu arrêtes. 20 minutes par jour. Vous allez voir le bien fou que le Saint-Esprit fera de votre vie. Comment la parole va vous édifier, va vous faire du bien. Et puis finalement, vous allez commencer à pleurer quand vous allez arriver à l'église, quand le Saint-Esprit va commencer à travailler dans ta vie. Tu vas sentir une réelle présence et tu vas commencer à avoir du vomi de ton passé. Frère, un véritable enfant de Dieu qui est habité par le Saint-Esprit est très sensible au péché. Est tellement sensible à tout ce qui est anormal. Pour lui, ça devient une folie, comme Paul pourrait le dire. Ça devient automatiquement une folie parce que ton corps est dérangé, ton corps s'est dérangé, frère. Alléluia. Quand tu commences à ressentir ça, c'est que le Saint-Esprit est en toi, est en train de travailler, est en train de te faire porter vers une croissance. Alléluia. Continue mon fils. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Oui. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse, oui, de la vie présente, oui, et de celle qui est à venir. Alléluia. Vous comprenez qu'une personne qui doit avoir une vie disciplinée place une grande valeur dans ce qui est essentiel. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Pour quelqu'un qui veut grandir spirituellement, que quelqu'un qui veut être marié,
pour quelqu'un qui veut créer une entreprise, pour quelqu'un qui veut avoir des contrats, la Bible nous dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la prière. Donc vous allez voir que dans la discipline, dans ton organisation, c'est que les choses qui sont pour toi essentielles à ta vie que tu vas commencer à manifester. Alléluia. Si tu ne donnes pas une valeur essentielle à cette vie de croissance, il t'est difficile de prospérer. Une personne qui doit, tu veux discipliner sa vie, donne une place à la priorité. Tout est utile, du moins tout est permis, mais tout n'est pas utile, n'est-ce pas? Tout n'édifie pas. Donc nous comprenons aujourd'hui que dans nos vies, il y a des priorités. Alléluia. Si tu fais les pleurs ta priorité, c'est foutu pour toi. Vous savez, des fois, il y a des événements de notre vie qui nous arrivent. Ou des fois, on se pose la question, quelle va être notre priorité? Doit-on lâcher vers la, comment on peut dire ça, la sensibilité? Ou devons-nous braver tout cela pour venir servir Dieu? Gloire à Jésus. Avant que nous ayons Israël, ma femme a fait deux couches, deux fausses couches. La première fausse couche, j'avais mon sac, je partais en Angleterre, à Londres, pour l'évangile. Et pendant que j'avais mon sac et que je partais à la gare pour prendre mon train, on m'annonçait là qu'elle faisait fausse couche. Je fais quoi? Alléluia. Je fais quoi? J'abandonne et je dis là-bas alors que du monde m'attend pour dire je ne vais plus. Ou bien je fais quoi? Je l'ai regardé. Je dis, maman, que Dieu te fortifie. Et l'église s'est mobilisée pour aller auprès d'elle. Alléluia. Deuxième fausse couche. Je partais à Abidjan. À deux jours, fausse couche encore. Il dit, Seigneur, j'ai déjà mon billet dans les mains. Que ta volonté soit faite. Moi, je m'en vais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, si tu aimes Dieu, tu dois faire priorité de ta vie. D'abord, la piété. Dieu. Dieu doit passer d'abord avant toute chose. Gloire à Jésus. Tant que tu n'as pas compris cela, Dieu ralentit le processus de croissance pour ta vie. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de priorité, il te sera difficile de toucher le pan de Dieu. Alléluia. C'est important pour un enfant de Dieu. La priorité. Un enfant de Dieu doit tout programmer. Un enfant de Dieu doit tout planifier. Un enfant de Dieu ne vit pas dans un désordre. Un enfant de Dieu a un temps de prière. Un enfant de Dieu a un temps pour manger. Un enfant de Dieu a un temps pour lire la Bible. Un enfant de Dieu a un temps pour s'occuper de sa famille. Tout doit être planifié. Tant qu'il n'y a pas de planification dans ta vie, tu laisses la porte grandement ouverte à l'ennemi. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans sa maison comme un désordre. Non. Quand on rentre dans un appartement ou dans la vie d'un enfant de Dieu, on doit sentir la présence de Dieu. Tout est à sa place. Un enfant de Dieu est à sa place. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas. Frère, imaginez-vous quelqu'un qui doit voyager. Il a là son billet d'avion. Il est prêt à partir. Et c'est maintenant qu'il cherche son passeport. À la veille de son... Là, le jour même de son départ. C'est en ce moment qu'il va chercher son passeport. Son passeport, même si tu as le billet d'avion, tu vas arriver et puis tu dis là, je suis le passeur, ça dit. On dit quoi? Et puis quoi encore? Pour dire, qui devant l'homme? Passeport. Il n'y a pas passeport. Je suis le pasteur, je suis le pasteur de Bethesda. Et après. Alléluia. Frère, tu sais que tu pars en voyage. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la communication où tout a été développé. Même si le billet, tu ne le retrouves pas. Mais tu peux rentrer et puis Internet, ton billet est là. Mais d'abord, le passeport doit être rangé là où il doit être. Parce que le passeport te permettra de rentrer dans l'avion. C'est pour ça qu'on appelle passeport.
Donc vous rendez compte que c'est une priorité pour ta vie. Deuxième exemple. J'ai une plante, une belle fleur, un rosier que je mets chez moi à la maison. Et je mets le rosier là. Et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je n'arrose pas le rosier. Il va m'envoyer quoi? Rien du tout. Des fleurs sèches, séchées, c'est ce qu'il va me donner. Des branches sèches. Frère, ta vie doit être arrosée par la parole de Dieu. Tant que tu ne cherches pas que ta vie soit arrosée par la parole de Dieu, il n'y aura rien de processus dans ta vie qui va dépendre d'une grandeur. Non. Non. Oublions. Alléluia. Regardez ces deux exemples. Je voyage, j'ai besoin du passeport. Je mets là une fleur, un pot de fleurs, où il y a un rosier, pour qu'il me donne de belles fleurs, et que j'aille séduire mon épouse, chérie, je t'aime. Il faut que ça soit arrosé. Alléluia. Mais tant que ce n'est pas arrosé, tu ne peux rien recevoir. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Tant que tu n'arroses pas ta vie par Jésus-Christ de Nazareth, rien ne peut se passer. Souvent on dit, il faut aller à l'église pour te marier. Donc les gens viennent. Ouais, on vient à l'église pour avoir un mari. Parce qu'à l'église là, on donne mari là-bas. Amen. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. L'église bénit. Mais il y a un sacrifice à faire. Il y a ta part à faire, frère. Avant de pouvoir prendre un enfant de Dieu, il faut que tu sois véritablement dans un véritable sacrifice. Comme ça, quand tu prends l'enfant, la bénédiction que Dieu te donne n'est pas chagrin dans ta vie. Parce que si tu n'as pas de sacrifice, si tu n'as pas d'alliance réelle avec Dieu, la bénédiction que tu viens prendre là, elle peut devenir une gangrène dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que nous avons besoin d'un engagement véritable. Un engagement à vie. Acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Comme je disais, tu dois passer du temps à véritablement prier l'élément fatidique. Sans la prière, sans le jeûne, sans la méditation de la parole, sans un engagement à vie avec le Seigneur, n'entends rien de Dieu. Tu viens choper les bancs. Alléluia. C'est pour cela ici, j'ai dit à tous mes enfants, il faut que chacun soit à sa place pour servir Dieu. Parce que Dieu bénit dans le service. Si tu viens là et que tu ne veux pas chercher à entrer dans un département où on t'appelle pour servir et que tu es tout le temps en train de dire non, frère, c'est que tu es en train de faire reculer ta grâce. Alléluia. Quand tout le monde est ouvrier dans la maison de Dieu, quand Dieu vient bénir la maison de Dieu, il cherche les ouvriers de sa maison. Il ne cherchera pas les fidèles. Non. Il cherchera les ouvriers. D'abord les ouvriers. Alléluia. Et il y a un élément qui est hyper important que tout le monde n'aime pas trop. Mes frères, moi je vais t'enseigner sur cet élément-là. Je vais t'en parler afin que moi, Dieu ne me dise pas, qu'as-tu fait de mon peuple? Est-ce que mon peuple a été enseigné? Moi, je t'enseigne. Maintenant, c'est à toi de le mettre en pratique. Quand tu ne seras pas béni, tu ne m'accuseras pas. Parce que moi, je serai devant et je partirai avec les ouvriers. Alléluia. C'est l'observation de la dîme. C'est vrai. Ça fait fâcher pour certains qui ne sont pas encore chrétiens. Ça les fait grincer des dents. Mais laisse-moi t'ouvrir les yeux ce matin. Et je voudrais insister sur cette partie-là. Frère, tu peux chanter. Tu peux rouler par terre. Regardez, même moi en tant que pasteur, je pensais que j'avais pas le droit de payer la dîme. Alléluia. Ça veut dire que pendant 2 ans et demi, j'étais dans le faux. Et je m'en suis repenti l'année dernière.
quand j'ai reçu ce que Dieu m'a dit, il dit, tu es dans le faux. Il dit, Seigneur, en quoi suis-je dans le faux? Il dit, tu ne payes pas ma dîme. Frère, je pensais que à prendre mes enfants dans le ministère, à m'occuper d'eux, j'étais en train de payer la dîme de Dieu. Qu'est-ce qui m'attend ce matin? Je pensais que m'occuper, je prends un exemple, d'un enfant de Dieu dans la maison de Dieu, où tous les mois je dis, bon, je vais le soutenir jusqu'à ce que sa vie soit prospère. Je pensais que je payais la dîme comme ça. Ou des élèves ici, donc on s'est occupé pendant des années, des orphelins, qu'on a. Je pensais que je payais la dîme. Dieu me dit, niet. Il dit, ça, c'est des actions de grâce. Amen. Hein? C'est des offrandes volontaires. C'est des offrandes de sacrifice. Ce n'est pas ma dîme. Paye ma dîme. Aïe. Mes enfants, j'ai pleuré toute la nuit. Et quand l'apôtre est venu, j'ai partagé ça avec lui. Il dit non. C'est vrai? Il dit oui. Il dit, moi aussi, je faisais pareil. Alléluia. Frère, nous commettons de grosses erreurs spirituelles. C'est pour cela que Dieu ne bénit pas. C'est pour cela que quand on prie sur des fidèles, Dieu, il ne reçoit pas leur guérison et leur bénédiction. La base est là. Je travaille, je dois payer la dîme de mon travail. Je suis serviteur de Dieu. L'église doit me bénir, doit me donner un salaire. Donc vous vous rendez compte, je dois payer deux dîmes, moi seul. Et la dîme de mon travail, parce que j'ai signé un engagement, la dîme de ce que je fais dans la maison de Dieu, et le peu que je reçois, je dois y payer la dîme. Ensuite, je dois, en tant que serviteur, retirer la dîme de l'église, que je dois envoyer vers une église. Alléluia. Regardez bien, trois dîmes doivent sortir. Nous commettons beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et nous pleurons parce que nous ne sommes pas bénis. Nous pleurons parce qu'il y a la mort qui frappe. Nous pleurons parce que chaque fin du mois, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Nous pleurons parce que. Et nous sommes en train de toujours nous justifier. Mes dépenses d'abord et ensuite Dieu. Ah, alors que tout à l'heure, Dieu nous disait, on doit faire de lui sa priorité, notre priorité. Mais si tu fais de Dieu ta priorité, c'est dans tout. On va le voir. Alléluia. Dieu dit, ma dîme, c'est le dixième. 10% de ton salaire. Par définition. Donc, regardez, la Bible me dit que la dîme est une loi que Dieu a instituée. Amen. Et ici, nous sommes en France. Tout est permis, tout n'est pas utile, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas me permettre de faire ce que je veux. Dès lors, je commence à faire ce que je veux, la police est là. Les hommes de loi. Donc, ça veut dire, nous sommes dans un pays où nous sommes sous tutelle de loi, où nous dépendons d'une loi. Et nous devons nous conformer, nous devons faire une discipline de vie, de comportement, d'attitude, selon les lois du pays où tu vis. Alléluia. Quand tu offres aux lois de ce pays, tu es hors la loi. Tu es un orgueilleux. Dieu te bloque, il te détruit, il te paralyse, il t'enlève tout. Alléluia. C'est comme ça, c'est érigé dans la Bible. Lévitique 27. Lévitique 27, verset 30 à 32. Je lis la parole. Oui. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Regardez un peu. Écoutez-moi bien. Relis encore avec beaucoup de précision. Toute dîme de la terre. Écoutez-moi bien. Tout ce qui sort de terre, toute sémence de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des récoltes de ta terre, oui, soit du fruit des arbres, soit du fruit des arbres, oui, appartient à l'Éternel. Regardez, qu'est-ce que je veux comprendre par là? Dieu a créé l'univers. Il veut dire que tout ce qui existe sur cette terre, dont tu es bénéficiaire, lui appartient, lui Dieu. Maintenant, comme il t'a créé comme sa ressemblance, afin que tu demeures sur la terre qu'il a donnée aux hommes, et que tu n'aies pas faim, tu n'aies pas soif, il prend la terre
et il te la donne. Il dit, possède la terre, domine-la. Mais par ailleurs, tout ce qui sortira de là est consacré à moi. Donc moi, Dieu, quand tu travailleras, quand tu auras des tonnes de patates douces, là tu enlèveras le dixième et tu viendras mettre à côté. Dieu n'a pas dit, je prends cadeau. Non. Il dit, tu mets à côté. La Bible dit, tu amasses. Alléluia. Amasser veut dire mettre de côté. Je mets de côté. Pourquoi? Nous amassons pourquoi? Quand Dieu a donné la révélation de cette façon d'amasser à Joseph, quand il était en prison, n'est-ce pas? La Bible dit, Pharaon a reçu un songe, n'est-ce pas? Mais Joseph sort et il reçoit la révélation du songe. Et il leur dit, vous aurez 7 années de vaches maigres et 7 autres années de vaches grasses. Donc, pendant que vous êtes dans l'année de vaches grasses, amassez pour 7 ans. Pour préparer ce qui doit arriver. Frère, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? C'est pour cela. Parce que nous ne comprenons pas l'essence réelle. Dieu dit, c'est loi. C'est une loi. Quand c'est loi, personne ne peut se détacher de cette loi. Donc, quand tu te détaches de la loi, tu es hors la loi. Frère, on aspire à la grandeur. On aspire à la croissance. On aspire au mariage. On aspire au papier. On aspire à l'enfantement. On aspire à ce que Dieu fasse des choses glorieuses pour nos enfants. Mais pendant que nous parlons à Dieu, nous-mêmes, nous sommes hors la loi. De quelle bouche tu parles-tu? Avec quelle bouche tu parles à Dieu? Dieu, quand tu parles, il dit même ta bouche pue, excusez-moi du terme. Pour lui, c'est une puandeur qui sort, puisque tu es hors la loi. Parce que là, tu as utilisé ton orgueil, puisque tu n'es pas en train de respecter sa parole. Alléluia. Laissez-moi vous prêcher l'évangile. L'évangile de vérité qui va transformer ton âme. Alléluia. Moi-même, moi. En tant que pasteur, même quand on arrive à la maison, dès que le salaire de ma femme tombe, je dis, hé, viens ici. Non, frère, il n'y a pas de honte à cela. Pourquoi? Aujourd'hui, elle est là. Vous connaissez le témoignage qui était sur sa vie? C'est la dîme qui a fait de moi un pasteur. C'est la dîme qui a fait que ma femme aujourd'hui, elle n'est plus stérile. Parce que nous avons consacré notre dîme à mettre Dieu à l'épreuve. Aujourd'hui, vous êtes là. Ce que je vis aujourd'hui, il y a 15 ans de cela, ça m'a été dit. Alléluia. Tu seras le père d'une multitude d'enfants. Il y a 15 ans, ça m'a été dit. Je n'ai pas cru parce que je ne connaissais rien. J'étais musulman, par où il est passé? Frère, mais Dieu a changé le cours des choses, je suis en face de vous. Quand j'ai compris le processus de la dîme, il dit, sœur, moi je vais te mettre à l'épreuve. Et c'est la dîme qui nous fait rentrer encore dans une salle qui nous appartient. Alléluia. Quand j'ai compris que Dieu était en train de me corriger en me parlant sévèrement, pour dire que j'étais hors la loi, et que la dîme, je ne payais pas la dîme, et je voulais un peu discuter, Dieu dit, ferme-la. C'est moi qui te fais. Observe ma dîme et tu verras. J'ai commencé à payer la dîme de l'autre côté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même pour construire ce temple, qu'est-ce que Dieu a permis? J'ai libéré tout mon salaire. Pendant tout le temps où les travaux se faisaient ici. Ils sont là. Alléluia. Frère, tant que tu ne fais pas de sacrifice sur ce qui t'est important, dès qu'on parle d'argent, la mentalité des gens change. Dès qu'on parle d'argent, on rentre dans les jugements, on rentre dans les raisonnements. On va philosopher. Frère, continue à philosopher. Mais moi, j'avance. Et j'avancerai avec ceux qui sont dans la loi de Dieu pour observer les choses spirituelles. Frère, Dieu n'a même pas réfléchi. Il n'a même pas réfléchi à Jésus pour dire c'est mon fils unique. Regardez, la façon dont il a libéré Christ, chacun de nous pouvait dire, mais j'ai un salaire, c'est 1000 euros. Quand j'allais mon loyer, après je m'occupe de ceux qui sont habillés. Dieu n'a que faire. Tu peux rester à raisonner, frère.
Mais n'attends rien de lui, par contre. Je te porte l'enseignement. Alléluia. Il dit, la dîme, c'est une loi. Et il a dit au peuple d'Israël, observez cette loi. Pourquoi aujourd'hui les Juifs sont bénis? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Juifs, on parle de lobby de puissance financière? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont observé cette dîme. Au temps de Moïse, la loi était prêchée et ils ont observé cette loi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi nous, quand ça nous arrange, on crie? Non, Jésus est venu, il est mort, il a déjà payé nos dîmes. Qui raconte des aberrations possibles comme ça? Mais c'est aberrant. Alléluia. Nous prenons la Bible, on la divise en deux. Cette partie-là ne m'arrange pas. Moi, c'est ça là qui m'arrange. Je prends. Qui vous a dit ça? La Bible dit quoi? Aucune écriture de la Bible ne doit être rejetée. Tout est permis. Tu as le droit de faire ta philosophie. Tu as le droit de faire ton abstraction. Tu as le droit. Mais par contre, cela ne va pas t'édifier. Ça t'amènera dans la paralysie. Alléluia. La dîme ici permet de couvrir le culte pour assurer le soutien financier des sacrificateurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais ici, je dis à mes enfants, moi je travaille. Je ne veux même pas toucher la dîme. Par contre, je veux que tous ceux qui travaillent autour de moi soient bénis. N'est-ce pas? Parce que c'est la dîme qui permet de s'occuper d'eux. Donc, je veux qu'ils soient entretenus et bénis. Moi, si je ne reçois rien, ce n'est pas grave. Je travaille, j'ai un salaire. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dépendre de la poche de quelqu'un. C'est pour ça que quand je dois prêcher l'évangile, je ne trie pas ce qui m'arrange. Je prêche l'évangile de vérité. Parce que je ne veux pas qu'on me tienne par la poche. Non. Ou qu'on me dise, oui, c'est moi qui paye. Frère, même si tu veux payer la salle. Mais quand tu es hors la loi, je te dirai que tu es hors la loi. Quand tu es dans le faux, je te dirai par les écritures, avec les supports bibliques, que tu es dans le faux. Il faut arrêter ton raisonnement. Dieu, il s'en fout. Et c'est très souvent cela. Dès qu'ils perdent leur emploi, ils pleurent. Bien-aimé, c'est vrai. Donc, ils me diront, oui, nos prédécesseurs ont tellement détruit l'évangile avec les dîmes, ils ont fait ce qu'ils veulent, tout et tout. Oui, c'est pour ça. Mais non, toi, ne t'occupe pas de ça. Regarde à Dieu. Celui qui prend sa dîme et il va chez les prostituées, il verra sa paye de prostituée. Celui qui prend ta dîme, quand on doit changer un micro, ou bien s'occuper de l'église et qu'il va faire autre chose, toi, tu as payé ta dîme à Dieu. Ce qu'il en fait, c'est son problème. Frère, je suis en train d'instruire un enfant pour rentrer dans un processus de croissance. On ne sème pas partout. Toute terre n'est pas une bénédiction. Mais enfant de Dieu, je te dis, je voudrais que tu comprennes une seule chose. Sème. Sème dans la maison de Dieu. Frère, tu ne seras pas déçu. Sème. N'essaie pas d'être trop dur, difficile. Oui, mais c'est-à-dire, tant que tu es difficile là-dessus, l'ennemi va aspirer. Et quand il va aspirer, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les problèmes se conjugueront tout le temps. Et il faut savoir, quand c'est comment? C'est la même période, on t'envoie toujours facture. Parce que tu es tout le temps dans le raisonnement. Mais un jour, prends une décision pour dire, la parole dit de mettre Dieu à l'épreuve. Moi, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve, tu verras. Dieu dit, l'institution qu'il a mis en place par la loi, l'homme, nous, chrétiens, devons observer absolument cette dîme-là parce que tout lui appartient. Même ton souffle de vie ne t'appartient pas. N'est-ce pas? Il dit, ton souffle de vie ne t'appartient pas. Regardez, nous allons prendre d'abord les finances sur lesquelles vous êtes durs là. Mon fils prend AG2. AG2 verset 8. Oui. L'argent est à moi. Regardez Dieu ce qu'il dit. Il dit l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Frère, ce que tu as là, c'est pas pour toi.
Donc ça veut dire qu'il peut souffler. Tu vois, on dit, oui, mon argent, quand ça tombe, ça passe ici. Rien ne passe ici. Beaucoup de gens ont dit, oui, mais finalement, quand ça rentre ici, ça passe ici. Donc, ils ont mis trou ici, c'est pas trou. C'est Dieu qui a soufflé. Parce que tu n'observes rien. Amen, hein? Oui, mais je ne comprends pas. Pourtant, j'ai gagné l'argent. Mais quand ça vient, c'est bâti. C'est normal. Parce que tu ne veux pas expérimenter la puissance de Dieu. Parce que tu ne veux pas aider les autres. Tu n'as pas un cœur libéral. Amen, hein? Alléluia. Donc, tant que tu ne le fais pas, ben, ça va partir. N'est-ce pas? Mon fils, prends le psaume 50, verset 10 à 12. Quand tous les animaux des forêts sont à moi. Regardez, tout ce que vous mangez là. Ouais, j'ai faim, j'ai faim. Si Dieu veut te priver de ce que tu manges, les bœufs, agoutis. Hein, vas-y, mon fils. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Regardez, tous les animaux là sont à moi. Les sauces graines que tu fais. Hein? Les guaguasous que tu fais. Il dit tout ça là, tout ce que tu mets dedans, c'est pour lui, Dieu. Oui, vas-y. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Oui, il connaît. Et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Oui, même les poulets que vous mangez tous les jours. Poulet, Dieu dit c'est pour lui. Si j'avais faim, verset 12. Regardez, il dit, regardez le verset même qui a touché mon âme ce matin, oui. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Frère, tu crois que quoi? Les gars pensent que quand les hommes de Dieu viennent vers vous, on vous fait des enseignements sur la dîme, le portant de la dîme. Vous pensez que c'est parce qu'on a faim, regardez, mon ventre n'est pas faim. Hein? Non. Je suis bien nourri. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux que je te suive, j'ai fui Dieu pendant combien de temps? Et je lui ai dit, si c'est pour que j'aille toujours attendre la poche de mes enfants, moi ce n'est pas la peine. Donne-moi un travail. Amen. Hein? Afin que je puisse subvenir à mes besoins. Parce que quand tu attends trop tes enfants là, tu fais mensonge, prophétie. Tu dis à l'enfant ce qu'il doit entendre. Il veut entendre. Frère, c'est pour cela que parmi nous, il y a beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Parce que nous attendons toujours de ce que mon fils Arnaud va me donner. Hey, mon fils Arnaud, tu me dis tu es béni, 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 tu es béni. Frère, non. Arnaud est dans le péché. Il faut dire Arnaud, sors du péché. C'est comme ça qu'il grandira. S'il veut, il n'a qu'à se fâcher. Mais au moins, tu lui as dit, tu as fait ta part. Et ta vie ne dépend pas du frère Arnaud. Frère, tant qu'on sera toujours. C'est-à-dire, c'est vous-même qui encouragez le prophète à vous escroquer. Amen. Oui, un enfant de Dieu, voici la parole qu'elle a. C'est ça là. Ça. C'est ça qui doit t'instruire. Amen. Hein? Et ce qu'on te dit, ce qu'on te donne comme enseignement, si tu ne l'as pas trouvé ici dans la parole de Dieu, qui te donne la vie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça qui va te faire grandir. C'est ça qui va te rapprocher de Dieu. Dans une croissance spirituelle. Mais ce n'est pas la prophétie, frère. Ça fait que par moment, nous avons le prophète partout. On a prophète à Abidjan. On a prophète à Paris. Et donc quand même se lève. Et puis le prophète lui dit, bon, amène-moi ta dîme. Ouh, ça écrit où? De quelle parole? C'est là, la Bible dit, c'est là où l'enfant est instruit. Là où il reçoit la bénédiction de Dieu. C'est là que l'enfant paye sa dîme. Vous voyez, vous mettez sous de nouveaux jougs, mes enfants. Ça là, ça ne peut pas vous aider. Quand tu es assis quelque part dans une église, moi j'ai refusé ici. Des enfants qui sont venus me voir pour payer leur dîme ici, j'ai dit niette. Parce que je ne veux pas être toujours un nouveau joug. Parce que ce n'est pas mes enfants spirituels. Leur argent là, c'est utile, hein? C'est doux. Je vais prendre, je vais manger bien. Mais ça ne va pas me faire du bien. Ça ne va pas m'édifier. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui les suis. Ils vont chez eux, là où on leur inculque l'enseignement comme je suis en train de le faire ce matin. Ils vont là et ils viennent payer leur dîme là-bas. Maintenant, à moi, ils viennent faire une action de grâce. Ou bien, une offrande volontaire.
ça n'a rien à voir d'une dîme. Frère, là où tu ne pries pas, ne paye pas ta dîme là-bas. Nous envoyons les enfants de Dieu dans le péché. Nous envoyons les enfants de Dieu dans l'erreur. Afin que Dieu les vomisse. Alors que la parole est très claire. La dîme se paye. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia. Nous avons vu Melchizedek. N'est-ce pas? Alléluia. Mais comment pouvez-vous comprendre que Dieu n'est pas réel? Expérimente la dîme, mon frère. Moi, j'ai grandi par la dîme. Et je paierai toujours ma dîme. Je paierai aussi la dîme de l'église. Pourquoi? Parce que quand toutefois que je paierai la dîme de l'église, l'église sera bénie. Et l'église partira. Et vous allez voir, l'église va partir d'annexe en annexe. Et j'enverrai des serviteurs là-bas pour aller faire l'évangile. Alléluia. Quand je parle au peuple, c'est d'abord vous, vous qui êtes assis ici. Vous, mes enfants spirituels, vous là. Vous devez vous repentir tous. Vous, responsables de département. Vous devez tous vous repentir. Parce que vous volez Dieu. Et vous venez Dieu dans les dîmes et les offrandes. Non. Dieu va vous bénir, il va vous élever. Mais vous bloquez vous-même par la bénédiction de Dieu. Parce que vous ne savez pas la dîme. C'est vous qui êtes les exemplaires. C'est vous qui devez payer, donner l'exemple. Quand on dit dîme, vous devez vous lever pour venir ici. Papa Gose, maman Gose, papa Bailly, pasteur Fernand. Tout ça, toute ma fille Karine, tous, vous devez vous lever. Pasteur Bro, qui n'est pas là aujourd'hui. Tous, vous devez vous lever pour vous aligner ici. Payez vos dîmes. Paye ta dîme, frère. Ne cherche pas à me distraire pour dire je vais donner à papa, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. Si j'ai faim, je demande à mon père. Et mon père va toucher le cœur de quelqu'un qui viendra me bénir. Si un enfant reçoit mon coup de fil pour dire ouais, c'est pas ça, ça dit bon, Dieu m'a dit. Donne-moi 300 euros. Frère, tu viens ici, tu me dénonces. Et je ne récupérerai jamais la dîme de quelqu'un dans la rue ou chez moi. Non. Tu ne viendras pas me payer ta dîme là-bas. C'est ici dans la maison de Dieu. Clair, clair. La dîme se paye dans la maison de l'Éternel. Et on te bénit. Tu pars avec la grâce de Dieu. Frère, c'est tellement important. Vous voyez, Dieu bénit. Nous sommes dans un bon processus pour nous bénir. Vous voyez, quand un tel message arrive avec un thème précis, c'est que Dieu est en train de préparer une bénédiction pour toi. Dis à quelqu'un, c'est pour moi ce matin. Alléluia. Arrêtez de raisonner. Payez vos dîmes. Payez vos dîmes, vous verrez ce que Dieu sera capable de faire dans vos vies. Alléluia. Il dit, certains de mes enfants sont égoïstes. Aïe, c'est fort, hein. Malachie 3, verset 7. Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères. Regardez. Depuis le temps de vos pères. Hein, vous vous êtes écarté de mes ordonnances. Regardez. Dieu dit. Depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écarté de mes ordonnances. L'ordonnance dont Dieu parle ici, c'est la loi. Dans Lévitique. Hein, vous ne les avez point observés. Vous n'avez point observé. Revenez à moi. Je vous en prie, regardez Dieu. Dieu se plie en quatre pour vous. Il dit, revenez à moi. Je reviendrai à vous. Regardez, il dit, toi qui depuis longtemps n'as pas pu observer ma dîme, reviens à moi. Mon bien-aimé, mon enfant, je suis là pour toi. J'ai besoin de toi. Ce dont tu as besoin n'est rien. La guérison n'est rien. La maladie n'est rien. Alléluia. Le papier n'est rien. Ce que tu cherches n'est rien. Reviens simplement à moi. Et je reviendrai à toi. Oui. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Mais, regardez le raisonnement. Regardez le peuple d'Israël. Il y en a ici. Mais attends, en quoi devons-nous revenir? Moi, j'ai fait quoi? Attends, est-ce que je suis le seul? Très souvent, c'est ça. Mais lui qui est assis là-bas, il ne paye pas sa dîme.
Pourquoi tu veux que moi? Fais pour toi. Toi, ne t'occupe pas du frère Arnaud. Toi, lève-toi. Paye ta dîme. Oui. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Oui. Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, c'est les offrandes. Dans les dîmes, c'est les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Regardez Dieu. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation toute entière. La nation toute entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin que rien ne manque dans sa maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Maintenant, quand vous avez apporté tout ce dont Dieu a besoin dans sa maison, il faut le mettre à l'épreuve, oui. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez. Vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous. Regardez. Les écluses des cieux. Regardez Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette image? Là, nous avons une dalle. Mais Dieu dit, quand tu seras ici en train de faire ta dîme, lui Dieu, quand tu verras cela, il ouvrira les écluses des cieux pour faire descendre quoi? Tout ce dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Frère, il dit, viens à lui. Il a besoin de toi. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. N'est-ce pas? Dieu te dit, il n'est pas encore tard. Et vous voyez, vous allez voir au verset 12 qu'il fait même une proposition, non? Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux. Non, 11. 11 à 11, oui. Pour, je reprends sur le 10, comme ça je dis ça. Oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, uh-huh. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oui. Et il vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la vigne ne sera pas stérile, oui, dans vos campagnes. Uh-huh. Dit l'Éternel, oui, des armées. Amen. Toutes les nations vous diront heureux. Regardez, quand les gens vont vous voir, on dira heureux, heureuse. Pourquoi? Car vous serez un pays de délices. Tu seras un pays de délices. L'Éternel des armées. Frère, tu seras un pays de délices. Délicieux. Alléluia. Vous comprenez une chose? Donc Dieu a forcément besoin de vous ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous sommes montrés à quelqu'un qu'on a enchaîné. Vous voyez? Quelqu'un qu'on a mailloté. Et puis on le tient maintenant par la chaîne. Oui, levez les mains. Commence à prier. Donne-moi de résister. Un combat terrible. Cette nuit a été trouble pour cette personne. La nuit a été difficile, trouble. À chaque fois que cette personne fermait les yeux, c'était un combat terrible. Des présences. Elle n'est pas la seule. Est-ce qu'on peut rester sage? Quand la parole te concerne, tu cours, tu viens. Mais en même temps, reste disposé. La nuit a été très, très, très difficile. Très difficile. De véritable présence dans ta vie. Des gens qu'on a mandatés pour venir te détruire. Oui, restez comme ça, en enfant sonore. Le Seigneur me montrait une personne, un homme, en mailloté. Et quand tu te lèves le matin, c'est comme tu avais fait 10 km de course. Tout ton corps te fait mal. Et c'est précisément au niveau de tes articulations. Il n'est pas le seul. Des douleurs au niveau de des articulations. Des douleurs au niveau des articulations. C'est comme un combat que tu as livré. Un combat que tu as livré. Le Seigneur me parle d'une autre femme. Quand un monstre commence, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Et ça coule comme de l'eau. Ça peut durer longtemps.
Alléluia. J'entends empoisonnement. Empoisonnement. Empoisonnement, Saint-Esprit, conduis-moi. Le musical, apporte-moi en adoration. L'agneau est sous. J'entends empoisonnement. Empoisonnement. Il y a quelqu'un qui va faire un voyage. Un voyage. Un voyage. Avance. L'empoisonnement est lié à un voyage. Avancez. Tous ceux qui vont voyager. J'entends empoisonnement. Oui. Le Seigneur me dit, il y a une personne parmi nous. C'est comme quelqu'un dont on a enlevé la conscience. C'est comme quelqu'un qui perd. C'est-à-dire que tu oublies à chaque fois. Alléluia. Ce que tu dois faire maintenant, tu ne le fais pas. Et tu es perpétuellement en train d'oublier. Un oubli. Et c'est après que, quand le plus important devait être fait est passé, c'est là que tu t'en rappelles. On tient ta mémoire. Quelqu'un dont on tient la mémoire. Quelqu'un dont on tient la mémoire. Quelqu'un dont on tient la mémoire. Je ne te connais ni de Adam, ni de Ève. Mais il me dit de lui dire. Dis-lui, s'il ne se consacre pas véritablement à son œuvre et qu'il ne demeure pas fidèlement dans la maison de Dieu, quelque chose de négatif va arriver à sa vie. Dieu me parle d'une autre personne. Dès que tu te couches, tu te retrouves en esprit dans ton village. Tu te retrouves en esprit dans ton village. Et ce rêve s'est perpétré plusieurs fois. Et ça te ramène dans ton passé. Tout ce que tu avais fait, vécu. C'est cela qui arrive à toi à chaque instant. L'agneau est souverain. Des personnes parlent à ton cordon ombilical. Et à chaque fois, tu reviens. C'est comme une projection. Tu reviens à chaque fois dans ton passé. Et ça lie un lien avec le village. Est-ce qu'on peut rester tranquille? Est-ce qu'on peut rester tranquille? Des chaînes sont autour de toi. Des chaînes. En mailloté des chaînes. Tout autour de toi. Et il y a une personne qui te tient ces chaînes. À chaque fois que tu vas avancer, on te tient. Donc tu es pris comme prisonnier. Et les chaînes sont autour de toi. Avance. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Commence à prier. Il est souverain. L'agneau. La maladie que tu vis part aujourd'hui. Me dit Dieu. Il dit c'est la fin aujourd'hui. Ferme les yeux et prie. La maladie que tu vis aujourd'hui part. Me dit Dieu. Il y a longtemps que tu traînes ce mal. Il y a longtemps que tu traînes ce mal. Mais Dieu me dit aujourd'hui c'est la fin. Je prie qu'il n'y ait plus de domination dans ta vie. Au nom de Jésus. Souverain, l'agneau est souverain. Dis-le avec moi, il est souverain. L'agneau est souverain. Va, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Va, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur solutionne ton inquiétude maintenant. Il dit va
il n'y a plus d'inquiétude pour ta vie. Va, reçois ce que tu attends de Dieu depuis longtemps. Reçois-le maintenant. Et dis, va, à cause de l'état de ton cœur. À cause de ton cœur. À cause de l'état de ton cœur. À cause de l'état de ton cœur. Reçois la grâce. Reçois-la. Va. Vis. Sois en paix. L'agneau. Que cette marque de Christ soit sur ta vie, illumine ta vie, protège ta vie, te débarrasse de tout ce qui n'est pas, de sa gloire, et que ses anges campent autour de toi. Merci Seigneur. Que ta foi soit ferme et véritable. Que ta foi soit ferme et véritable. Que ta foi soit ferme et véritable. Jésus, souviens-toi de ta fille. Merci Seigneur. Depuis ta cuisse avec le juste jusqu'à la plante des pieds, j'ai détruit toute mauvaise fondation qui t'empêche de demeurer, qui t'empêche de posséder, de prospérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, soumets-le à Dieu. À partir de maintenant, avant de faire quoi que ce soit, avant d'apporter quel que soit le projet, avant de l'apporter vers toi-même, ta propre personne, soumets-le à Dieu. Laisse Dieu d'abord décider et ensuite tu partiras. Tu as beaucoup de projets, beaucoup d'idées pour pouvoir posséder et prospérer, mais laisse Dieu dominer ta vie. Seigneur, merci. Élève-le. Amen. Dieu te guérisse à l'instant même. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont cru. Christ, voici ton enfant, a cru à toi. Et il est dans ta maison et a fait ton œuvre. Je détruis celui qui se lève contre sa vie. Je maudis quiconque maudit ton enfant. Je prie maintenant, Seigneur, qu'elle soit environnée, Seigneur, par tes anges. Et qu'elle ait un sommeil léger à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Mon fils, pardon, pardon. Fais attention aux femmes, pardon. Pardon. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Fais attention aux femmes, pardon. Pardon, frère, pardon. Pardon, ils vont utiliser une femme pour te détruire. Ils vont charger une femme pour te détruire. Pardon, fais attention. Une charge, une femme a été préparée. Et tu aimes tout ce qui est clair. Une femme de teint clair est préparée contre toi. Mais c'est le diable en personne qui va préparer. Je prie ce matin que ce projet soit désorienté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrache-le de là où l'ennemi veut le mettre. Merci Seigneur. Amen. De toutes ces emprises de la sorcellerie, tu la détaches maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, libère-la. Je condamne quiconque condamnera ton enfant. Amen. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce que tu as rendu libre, personne ne peut condamner. Ce que tu as béni, personne ne peut maudire. Père, je prie ce matin que ta main soit sur elle, afin que quiconque se lève contre sa vie, qu'il échoue dans le nom de Jésus. Et nous reviens ici, Saint te sauve. Amen. Le Seigneur te rend libre ce matin. Le Seigneur te bénit ce matin. Au nom de Jésus. Que toute fausse adoration, que toute pensée négative, que tout joug des os
qui se ligue contre toi se coule maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Homme fort de ta fiche, de ta famille, lié, décapité ce matin. Au nom de Jésus. Et je déclare la restauration. Amen. Seigneur, merci. Parce que tu la libères. Seigneur, merci parce que tu la bénis. Seigneur, merci parce que tu la restaures. Amen. Éternel, 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 je te prie de restaurer cette âme. Je te prie de repositionner cette âme. Seigneur, cet enfant, tu l'as amené pour être une source de bénédiction. Père, je prie maintenant que tout esprit qui s'est levé contre lui, qui s'est ligué contre sa richesse, sa bénédiction, se croule à l'instant même. Tout piton de sa vie se croule à l'instant même. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Sous ton joug, je prie maintenant que les chaînes de la malédiction tombent. Je prie que les chaînes de la mort tombent maintenant. Je prie que les chaînes de la sorcellerie tombent. Je prie que les chaînes de la pauvreté tombent. Je prie que les chaînes de toute paralysie tombent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as rendu libre. Seigneur, merci. Que sa vie ne soit plus la même. Éternel, merci. Agis. Agis maintenant. Agis maintenant, Père. Parce que tu es Dieu. Amen. Jéhovah. Quand on sait qui on est, quand on sait qui on ne garde pas. Parce qu'on peut détruire. Parce qu'on peut tuer. Libère-toi. Parce que Dieu veut frapper. Libère-toi. Dieu veut frapper. Quand on sait qui on est, quand on connaît sa position spirituelle, on ne garde pas. Vous savez, elle a mes yeux. Elle a mes oreilles. Tout ce que je vois, elle voit. Tout ce que j'entends, elle attend. Amen. De telles personnes ne doit pas conserver. Tu mets la vie de ton frère en danger. Tu sais ce qu'il y a à faire. Va, fais-le. Va, fais-le. Le Dieu, le seul Dieu qui t'a pris au milieu d'une multitude d'enfants et qui t'a donné ses yeux, qui t'a donné sa bouche. Fais attention à ce que tu fais. Servant de Dieu, écoute-moi bien. Nous, on est bizarres. Nous, on nous appelle les rejetés. Nous là, personne ne nous accepte. Personne ne nous aime. Ne cherche pas l'amour de l'homme. Tant que tu chercheras l'amour de l'homme, ils vont te rejeter partout où tu iras. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est lui Dieu qui fait toutes choses dans ta vie. Va. Va. Fais ce qu'il y a à faire. Va. Fais ce que tu dois faire pour libérer la vie de ton frère. Alléluia. Va. Fais ce qu'il y a à faire pour libérer la vie de ton frère. Va, fais ce qu'il y a à faire pour libérer la vie de ton frère. Sinon, Dieu veut frapper à cause de toi. Je dis bien à cause de toi.
à cause de toi. À cause de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Seigneur, établis maintenant toutes choses. Fais ce que tu as prévu faire dans la vie de cette femme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Libère-la. Accomplis Seigneur ta volonté. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jamais laisser tomber.